Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une ouverture, ça y est, les duistes légendaires saison 3 sont sortis, ils sont là, j'ai pris 3 boîtes, on va s'ouvrir 3 boîtes, on va voir ce qu'on peut avoir en 3 boîtes, voilà, savoir qu'il y a des petits dés sympas, il y a plein de choses, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petits produits comme ça, bien sympathiques, donc on va s'ouvrir ça, on va regarder, puis on va espérer avoir un peu de luck sur cette ouverture. Allez, let's go. Et voilà, les 3 boîtes. Du coup, on voit ici que j'ai pu obtenir un petit Giltia. Ici, c'est un des serviteurs. On ne voit pas encore ce qu'il y a dans celle-là. Du coup, on va commencer par celle qu'on voit le plus, avec le petit Giltia. Alors, on a un dé orange. Donc, on voit de quoi est composée la boîte. Allez, hop, vous deux, vous partez là-bas. Et la boîte, elle est composée, du coup, de 2 boosters. Je crois que c'est 15 cartes, 18 cartes par booster. Donc, c'est des bons gros boosters des familles. Comme on les aime. Voilà, avec le petit dé. Et le petit dé, c'est l'orange. Et je sais plus qui c'est qui est dessus. Je suis désolé, j'ai pas le souvenir. Tant pis, tant pis. Et donc le petit Giltia, Chevalier des Ténèbres, Lance des Âmes. Et ça, c'est cool, le petit Giltia. Moi, j'aime bien. J'aime bien Giltia. Alors, premier dé, voilà. Première boîte. Eh bien, on va commencer par ouvrir ce premier booster. Et hop, on commence avec un poupée truquée. Première carte, du coup, de ces boosters, poupée truquée, Bisque. Ensuite, on a Esprit de la Terre Immortelle, Virojka Raska, l'Oracle du Soleil, Esprit de la Terre Immortelle Ultime, Message Spirituel N, pour former le final et gagner potentiellement la partie, Sanctuaire des Ténèbres, Esprit de la Terre Lynn Welker, Combinaison des Magiciens, très bonne carte piège pour le deck Magicien Sombre, Chimera Flesia, Prédaplante en bleu. Ascator Marshob. Ok, je ne connaissais pas Monstre Magicien, mais je ne connaissais pas cette carte. Une Fusion Miracle. Dimension Pendule. Maîtrise Alchimiste. Prédaponique. Génération Next. Cercle du Magicien. Bâton du Magicien. Héros vivant. Alors, j'aimerais bien pouvoir choper, c'est ce qui serait cool, une petite âme des magiciens, ça serait vraiment sympa. Du coup, on a une petite ultra avec la combinaison, plus 2 ultras colorés. Voilà. Donc, peut-être plus de chance dans l'autre booster. On va tout de suite le savoir. Du coup, de ce booster, on a le champion de l'enfer, héros du mal, ok. Esprit de la terre, géoglyphe. Fourmi de feu, Ascator. Fusion des ténèbres. Poupée truquée, bébé de terreur. Et vraiment des gens qui jouent. Oh, le visage nécro, ça c'est cool. Alors, visage nécro, j'aimerais bien avoir 3 pour un petit deck meule, c'est vraiment sympa. Vraiment de l'esprit de la terre immortelle, Joken le spirit. Et oh, le petit magicien du chaos en ultra. Ah, il est joli. Il est très beau, il est très beau. Et derrière, Aile Infernale, héros du mal. Et numéro C40, poupée truquée de cornes de ténèbres en rouge, du coup. Et Flash Héros, tiens, c'est marrant. Dans GX Cup, justement, on m'avait fait chier pour mettre le Flash Héros. Navigation des magiciens. Dauphin aquatique néospatien. Signal du héros. Satellite synchronique. Parade de poupée. Et Dragostapelia, près de la plante. Bon, bah, et pour l'instant, en vrai. Ces deux petites cartes magicien du chaos et combinaison de magicien, c'est plutôt sympa. Alors, du coup, c'est bien l'âme de serviteur en carte qui est promo offerte du deck. Et le dé noir, c'est bien. Je crois que j'ai peut-être un doute, c'est peut-être le saut de recalque. Je sais pas, c'est un des deux. C'est un des deux. Ah, il souffle tout seul, c'est bien ce boost-là. Bah c'est parti pour le premier booster de la deuxième boîte. Oula. Avec le château du roi suprême. À chaque fois je crois que c'est un stylo, ça me stresse devant. Esprit de la terre immortelle ultime. Esprit de la terre immortelle Uru. Offrande aux immortels. Esprit de la terre immortelle Kakaria. C'est ça qui écrit. Kara, pardon, il y a deux C, c'est pour ça donc ça va. Résurrection des immortels. Esprit de la terre immortelle Ketukawila. Oh, le magicien illusion d'ébène. Alors ça c'est bien, très bon Xyz. Très très bonne Xyz, donc c'est cool. Oh, magicien du ciel, pot artiste. Et derrière, nous avons un infernal héros du mal. Bah, ça va, c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu dans les cartes promo. Enfin, les cartes promo, qu'est-ce que je raconte comme bêtise. Dans les raretés qu'on arrive à sortir. Prédaponique, numéro C88, poupée truquée du lion de machin. Magicien gagagaga, signal du héros. Du prédaplante encore. Dragon fusion, venin infamé, très bonne carte. Un héros vivant. Et
Axel Synchronique. Bah, c'est pas dégueu, le magicien du le magicien d'illusion d'ébène qui sort dans le booster. Je le dis oui. La petite âme des magiciens et c'est bon. On est refait, n'est-ce pas? Alors, esprit noir de la malice. Tableau de la destinée F. Alors, c'est parfait, il m'en manquait un pour terminer un deck, donc c'est nickel. Noyau d'Abound. Oh, message spirituel L. On va peut-être tous les avoir dans ce booster, c'est rigolo. Esprit de la terre, je vous biffe. Esprit de la terre immortel, capou, voilà ça. Intil dragon du soleil. Dragon malveillant, héros du mal. Oh, robot convertisseur. Ouais, je suis pas fan du tout. En ultra, ça me fait un peu chier de l'avoir vu. Prédaptition. Gernia. Je ne connaissais pas Gernia. Ok, je sais pas d'où il venait ce monstre. Signal de ferraille. Robe du magicien. Cercle du magicien. Poursuite synchro. Gratte-ciel. Satellite synchronique. Action souriante. Et bien voilà pour cette deuxième boîte. L'Axis sympa. Le Gernia moyen. Moyen. Et on termine avec la dernière boîte. Alors on va espérer avoir un bon dé. Et on a un dé rouge. On a le dé héros du coup. On a le dé héros. Et la carte promo c'est les magiciens des ténèbres. La carte fusion. Alors je suis assez content. Parce que je crois que je ne l'avais pas. Là, je vérifie dans tout ce que j'ai. Hop. Les deux boosters, le petit dé héros, et on est parti pour l'avant-dernier booster du coup de cette extension. Parce que 3 boîtes, mine de rien, ça va vite, mais on va espérer avoir un petit peu de chance. Alors, Inti de Dragon de Soleil, Gaïa Sombre Héros du Mal, c'est bête qu'ils ont pas demandé un monstre Gaïa, Esprit de la Terre Géoglyphe, on va mettre comme ça. L'âme malveillante, héros du mal, sentence de mort, ça aide à faire le truc message spirituel, donc tant mieux. Esprit maléfique, invitation de l'esprit de la terre, esprit de la terre, grand linewalker, et guerrier satellite. Ah, je suis pas fan non plus de cette carte là. Chimera Flesia, prédaplante, et derrière, combinaison des magiciens, c'est tant mieux, mais c'est, je crois que c'est la deuxième du coup, parce qu'on avait déjà une avant, ouais, dommage. Du prédaplante encore, dragon sorcier aux yeux impairs, génération next, propulseur du futur, héros favori, onomatocollection et numéro C15, poupée truquée. Bon, jusque là, pas très content de ce booster quoi. Vraiment, pas ouf, hein. Le petit doublon et le machin synchronique dont je me fous complètement. Peut-être ce booster aura, nous permettra d'avoir plus de chance. Et alors, Esprit de la Terre, hein, en doublon, Sanctuaire des Ténèbres, doublon, Esprit de la Terre, Lien Walker, en doublon, Tableau dessiné F, ok, un deuxième, donc ça c'est cool. Offrande aux Immortels, Message Spirituel I, Résurrection des Immortels, Esprit de la Terre Immortel, Alzapiscu, pour le dernier en ultra, c'est Alzapiscu du coup. Oula, le bleu c'est illisible, je n'arrive même pas à lire le nom du monstre, alors attendez, je vais essayer de rapprocher, mais... C'est le C40 poupée truquée des cordes des ténèbres. C'est dégueulasse, le bleu sur Vixis. Et Cyclone Sauvage, héros du mal. Et pareil, le rouge sur les fusions, c'est pas ouf. Axel Synchronique, Illusion Magique, Satellite Synchronique, part de poupée, Prédaplan, Action Souriante. Et pour les deux dernières, ce sont sur ce pot artiste et du Prédaplante. Bon, bah on n'a pas eu. on n'a pas eu âme des magiciens, c'est dommage ça. C'est très dommage. Alors, c'est dommage, certes, mais est-ce... C'est dommage, certes, mais est-ce que pour autant c'était une excellente extension J'ai pris 3 boîtes. Parce que je savais que les ratios, ça allait pas être ouf. Et même si de base, j'aime beaucoup les duelistes légendaires et tout ce qui tourne autour. Là, à part message spirituel que j'en cherchais, mais c'est des communes, donc voilà. Il y a même des magiciens, il faut réussir à le choper. Le reste, c'est un peu du OSEF. Donc malheureusement, c'est pas une des meilleures boîtes qu'on ait eues. Dommage. Tant pis. On verra bien si je m'en ouvre quelques-unes en live ou pas prochainement. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao à tous.